Bonjour tout le monde! Alors aujourd'hui, on va travailler sur une plume. Et comme c'est de circonstance, j'ai même mis un t-shirt spécial pour vous. Alors, je me suis dit qu'une plume, ça allait être sympathique parce qu'en ce moment, plus que tout autre moment, on est vraiment dans une situation où on se rend compte que notre monde ne tient qu'à un fil et à l'insoutenable légèreté de l'être. Nous, les humains, nous contrôlons tout. Nous avons le pouvoir sur tout. Nous avons contrôlé toutes les espèces vivantes et nous utilisons la planète, les animaux, utilisons les autres êtres humains et nous croyons les plus forts. Et une toute petite chose, minuscule, a réussi en quelques jours à nous faire passer à la transition écologique, à nous faire passer à un monde qui va vite, à un monde qui s'est arrêté et qui observe et qui se pose des questions. Donc, les choses sont finalement beaucoup plus légères et c'est pour ça aujourd'hui j'avais envie qu'on peigne une plume. Mes cours de peinture, c'est pas seulement des cours de peinture. J'aime bien qu'on prenne conscience du sens de ce que l'on peint. La difficulté pour nous, c'est de faire chaque jour un travail avec peu de matériel. Parce que j'imagine bien que vous n'avez pas un stock énorme de matériel, voire pas du tout. Donc moi, j'ai ces contraintes-là, c'est de vous proposer chaque jour des choses intéressantes à faire chez vous, aussi bien pour les grands que pour les petits, mais avec peu de matériel. Donc, la plume, c'est un sujet que j'adore et nous allons la faire en zen temple. À côté de moi, salut Fabien, à côté de moi, il y a une autre plume qui n'est pas en zen temple, mais comme c'est le sujet du jour, je me suis dit que ça allait être sympathique. Donc, je suis habillée en circonstance et ici, c'est ma fille de quel âge elle avait quand elle a fait ça? 2017. Donc, elle avait 10 ans quand elle a fait cette plume et elle adore ce sujet. C'est facile pour les enfants et surtout, ça détend, ça les occupe des heures. Ma fille, par exemple, elle est très active et quand elle fait du zentangle, alors le zentangle, c'est l'art de faire des graphismes pour remplir une zone. Vous voyez, c'est rempli de petits graphismes. Elle bouge plus, elle est hyper concentrée. Donc, c'est top, top, top. Ça s'appelle la pleine conscience, la pleine présence. Quand vous êtes occupé à faire des graphismes, des croix, des ronds, vous ne pensez à rien d'autre et vous êtes concentré, votre mental est focus et ça vous détend la tête de toutes les anxiétés et peurs que cette période peut générer. Je vous montre un autre tableau que ma fille a fait. Regardez. Toujours dans l'esprit Zentangle, hein. Voilà. C'est simple. Donc là, elle l'a fait sur un grand format panoramique, hein, sur toile. Mais nous, aujourd'hui, on va le faire sur du papier. Vous voyez? Donc elle a peint en gris clair. Ensuite, la plume, elle l'a contourée au pinceau en blanc. Et elle a rempli en graphisme avec du feutre Posca. C'est sympa, hein? Donc, je vous mettrai tout à l'heure sur Facebook des photos de plumes que vous pourrez soit décalquer, donc vous imprimer de chez vous, soit dessiner. D'accord? Pour faire ce sujet, on a besoin de peu de matériel. Et même qu'on peut en avoir encore moins que moi. C'est-à-dire, dans l'idéal, on a un gros marqueur. D'ailleurs, quand vous faites les courses, le minimum pour pouvoir un petit peu faire des choses avec moi, c'est d'avoir un gros marqueur. Indélébile, un marqueur un peu plus fin, indélébile. Les trois couleurs primaires, noir et blanc, et de la colle liquide, genre colle à bois ou colle Cléopâtre, vous voyez la colle des écoliers, colle blanche. Ça, c'est vraiment le minimum pour qu'on puisse s'amuser un peu ensemble. Cela dit, j'ai toujours des bonnes idées pour pallier au manque de matériel. Donc aujourd'hui, j'ai un marqueur indélébile, gros, noir. Et on peut avoir un seul marqueur fin, mais moi j'aime. Moi j'ai beaucoup de matériel à l'atelier, donc je vous dis ce que j'ai avec moi. J'ai trois marqueurs qui s'appellent Stadler Permanent Luminocolor.
Ok, c'est des boîtes comme ça. Je les ai trouvées à Office Depot. Bon, c'est fermé, mais on peut évidemment, comme pour le géant des beaux-arts, on peut commander à Internet, hein. Enfin, sur Internet. Donc, moi j'ai un M, un S et un F. Ça marche? Et le Zentangle, se fait avec des feutres noirs. Peut-être vous pouvez aussi le faire avec des feutres tout simplement de couleur, voire même peut-être des feutres indélébiles. Est-ce que vous avez ça? Les Sharpies, c'était assez à la mode. Des boîtes de feutres comme ça, indélébiles, en couleur. Donc ça fonctionne aussi. Et ensuite, on va mettre de la couleur dessus. Vous voyez qu'il y a un petit peu des taches d'encre par-ci, par-là. Donc moi, je vais utiliser des petits pots d'encre aquarelle Colorex. Ainsi que du rose pour faire violet. Ça, c'est de l'encre de Chine rose. Mais vous savez quoi? À la maison, si vous n'avez pas d'encre, une cartouche de votre stylo à plume, et eh ben ça marche aussi. Donc, par contre, quand vous allez la couper au ciseau, attention à vos habits de ne pas l'exploser partout. Et ensuite, vous le travaillerez au pinceau, à l'eau, et ça marchera très très bien. Ok? J'ai envie de vous montrer différents exemples de plumes. Parce que si moi je vais en réaliser un, il y a vraiment beaucoup de manières de faire. Donc je vous montre différentes manières de faire et ensuite on fera en pas à pas. Ça marche? Une tâche. C'est sympa, hein? Celle-là, elle vous prendra quelques heures, hein? Mais ça, on a que ça à faire. Mes enfants, c'est pareil, hein, vous allez vous amuser. Voilà. Celle-ci a moins de graphisme. Vous voyez, elle est light, il y a des espaces blancs. On parlera aussi des espaces vides, ne pas tout saturer, parce que parfois on se prend au jeu et alors on fait une tonne de graphisme. Finalement, c'est indigeste. On en parlera tout à l'heure, comment gérer les vides, les pleins. Salut Sabine, bonjour Laurine. On continue. Donc dans cette idée, c'est de faire une plume au marqueur noir indélébile en travaillant le Zentangle. Je vais tout vous raconter et ensuite on mettra de l'encre transparente par endroit pour venir animer. On peut aussi mettre du feutre, non, du feutre tout à fait normal sur notre feutre indélébile et colorier juste certaines zones. En fait, vous pouvez acheter dans les supermarchés ou à la Fnac. Je ne fais pas de placement de produit depuis le début de cette vidéo. Je dis beaucoup de marques. Alors autant pour moi, Fnac, Cultura et Home. Vous pouvez acheter des magazines, des livres de coloriage. Vous savez, Zentangle à colorier. Mais là, ce qui est chouette, c'est de le faire soi-même. C'est-à-dire qu'on va pas colorier le Zentangle, on va le faire nous-mêmes. On va faire les graphismes. Et une fois que vous avez fait les graphismes, moi je vais vous montrer la façon où on met de l'encre dessus comme ça. Mais si vous avez envie, avec des feutres normaux, des feutres de couleur des enfants, vous pouvez simplement colorier également votre plume. Bonjour Claudine, bonjour Virginie, bonjour Nathalie, bonjour Kader. Ok, donc le Zentangle, c'est pour être zen. C'est l'art de faire plein de graphismes, de temps en temps très petit, très resserré, de temps en temps beaucoup plus écarté et light. Si les plumes, attention parce que c'est addictif, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je vais vous apprendre à faire ça, il y a de fortes chances que vous ne fassiez plus que ça après. Êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt à ne faire plus que du Zentangle? En tout cas, tous mes élèves à qui j'ai montré, c'est vrai que ils en font des kilomètres. Ah ben alors, vous me donnez juste une minute. J'ai pensé à tout sauf à ma batterie. Et figurez-vous que j'ai plus de batterie. Voilà. On continue. Montre.
Donc, si ça vous plaît, le Zentangle, en fait, vous tapez Zentangle Atelier de Noé sur Facebook et vous allez voir, mes élèves ont fait plein de modèles en stage, en cours, les enfants, les grands. Ils se sont éclatés, c'est de l'orfèvre. Donc, allez voir ce qu'on a fait. Donc, sur la page L'Atelier de Noé sur Facebook, vous tapez dans le moteur de recherche Zentangle, L'Atelier de Noé. Et vous allez voir, on en a fait, mais alors des kilomètres. Mais là, je vous le montre avec des plumes parce que c'est sympa en cette période. Mais on peut le faire avec des animaux, avec des cœurs. Et si les plumes vous plaisent, pourquoi pas le faire avec un dream coacher. Alors, moi, quand je donne mon cours de Zentangle à mes élèves, je leur prépare un dossier avec toutes sortes de copies à l'intérieur. Et derrière, ils ont un catalogue de graphismes. Où est-ce que vous pouvez trouver ça? Déjà, je vais vous en mettre sur Facebook, mais vous pouvez trouver ça sur Pinterest. Vous tapez juste Zentangle et vous allez voir qu'on trouve... Parce qu'en fait, vous allez voir, au bout de 10 minutes, on ne sait plus quoi faire si on n'a pas d'exemple. Donc, soit on pique l'idée du modèle qu'on a et on le reproduit simplement. Mais sinon, à part faire des ronds, des traits, des carrés, des zigzags, on a vite fait le tour. Et en fait, le Zentangle, c'est le palais du graphisme. Mais des graphismes que vous ne soupçonnez même pas, des trucs de compétition. Donc, pour se détendre, il y a vraiment de quoi faire. Les petits feront avec des graphismes simples et pour la motricité fine, c'est extraordinaire. Et les plus grands, ça donneront à remplir chaque zone de la plume avec des motifs plus compliqués. Ça vous plaît? Salut Cici, salut Sylvie, salut Mélanie. Voilà, donc moi je vais vous partager des graphismes hein, sur la page quand j'aurai fini le live. Alors regardez bien. Il y a des graphismes qui sont très très gros. Donc il y a beaucoup de noir, d'accord? Il y a des graphismes où il y a beaucoup de blanc et des graphismes où les traits sont très petits et saturent l'espace, où il reste peu de blanc. Donc nous aussi, on va essayer de faire ça, de varier la taille des graphismes. C'est-à-dire, c'est comme si c'était du tissu. Les trames optiques que nous allons faire ont un pourcentage de blanc. Et il ne faut pas qu'il y ait toujours le même pourcentage. Parfois, on peut toujours faire la même trame alors qu'on a changé de graphisme, vous voyez. Surtout quand on est très bon en trame très fine, on en fait des kilomètres. Plein de graphismes différents, mais de loin, on dirait que c'est le même. Donc, il va falloir faire un peu comme des motifs africains, c'est-à-dire des trucs très, très grands, très, très gros. Vous voyez, des grands graphismes. Et puis, des tout petites rayures, tout petits graphismes qui saturent l'espace et qui laissent finalement peu de blanc. OK? On va voir tout ça ensemble. C'est un chouette sujet. J'adore ce sujet. Ça relaxe. Voilà. Je vais prendre un tout petit peu pour que je puisse vous montrer. Bonjour Mélanie, je vous vois. Hop. Donc aujourd'hui, on fait de la plume. Alors, comme dit, soit vous dessinez votre plume, soit vous la décalquez. D'accord? On ne s'embête pas. Comme dit, je l'ai déjà expliqué dans la première vidéo, la peinture et le dessin, ce sont deux compétences différentes. Et parfois, les gens s'interdisent de développer la compétence peinture ou la compétence graphisme sous prétexte qu'ils ne savent pas dessiner. C'est comme danser et chanter. On peut chanter sans savoir danser. Les deux ensemble, c'est super. Donc, si vous ne savez pas dessiner, eh bien, vous décalquerez la plume. Vous imprimerez une plume que je vais vous mettre sur Facebook. Vous allez la décalquer et la transférer sur votre papier. Et puis ensuite... vous allez faire appel à votre créativité et vous détendre en faisant des graphismes dessus. Ok? Donc, on ne se speed pas, je ne sais pas dessiner. Il n'y a aucun souci. En tout cas, avec moi, il n'y en a pas. Et puis, quand vous serez prêt, vous apprendrez à dessiner et peut-être que vous viendrez me voir et je vous apprendrai à dessiner. Donc, moi, j'ai décalqué une plume. Ok? Pour aller un peu plus vite. Et je me suis découpé un morceau de papier. Il est assez épais.
Cela dit, sur un papier photocopie, vous savez, un papier comme ça, A4, maintenant, ça fonctionne très bien. A3, c'est quand même l'idéal, mais on prend ce qu'on a. Et je voulais vous montrer aussi, parce que il y a quelqu'un qui l'a fait sur un morceau de bois, et je trouvais que c'était très joli, regardez. Ça marche. Je vais reculer la caméra pour qu'on puisse voir un petit peu ce que je trafique. Ça va. J'essaye toujours de caler au mieux. Comme ça. Parce que faut qu'on voit et ma tête et la plume, je vous dis pas, c'est tout ça, faut que ça rentre dans le petit espace de la caméra. Donc, j'ai simplement repiqué le calque d'une élève. Il y a des élèves qui dessinent, il y a des élèves qui décalquent. Ça ne me pose aucun souci. Je vais le placer au centre. Voilà. Je vais voir si ça transfère encore. Savez-vous comment on décalque? Je l'ai expliqué dans la première vidéo. Alors, tu mets ça sur ton dessin, tu prends au crayon. Ça va, hein, jusque-là. Ensuite, tu retournes ton papier. Et de l'autre côté où il n'y a rien, tu redessines avec le crayon en appuyant bien fort, en faisant des petits allers-retours comme ça et en appuyant bien fort. Tu re-retournes ton dessin. Ensuite, tu le positionnes. Vous voyez là? Donc ici, de ce côté-là, il y a du crayon. J'espère qu'il y en a assez, je n'ai pas regardé. Et j'ai juste à appuyer un petit peu fort. Je vérifie ça transfère. Parfait. Voilà. Ça me fait une petite base. Mais je vais quand même vous expliquer en dessin comment on fait un petit peu la base rapidement. Alors je fais la tige centrale. Bon, c'est un calque qui a déjà été pas mal utilisé. Il est abîmé. Et ouais, il est déchiré mon calque. Pas grave, hein. Hop. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. J'essaye d'aller vite. Et j'expliquais pour ceux qui sont arrivés pas tout de suite pourquoi j'ai pris la plume. Parce que c'est là insoutenable, légèreté de l'être. Parce qu'on se rend compte que notre société aujourd'hui ne tient qu'à un fil et que nous, humains, on se croit super, super fort. Et on se rend compte qu'une toute petite chose de quelques nanomètres permet de faire, de passer à un nouveau monde, à une transition écologique en quelques jours. Le monde s'arrête, il s'arrête de tourner. Et waouh, finalement, on est quand même vachement léger et fragile et ça nous remet à notre place. Alors, je trouve que c'est super. Yahoo! J'ai décalqué. Quand on dessine, on a tendance, voyez ici, à se ramasser du noir. Donc si vous ne voulez pas trop salir votre feuille, déchirez-vous un petit morceau de papier. Je vais juste encore régler un tout petit peu mieux. Voilà. En fait, aujourd'hui, le format, il est super long. Donc, voilà. Et comme j'ai pris un papier qui est long, vous savez quoi? Je vais changer un petit peu mon dessin. Et je vais rallonger ma plume, lui rajouter quelques picots. Maintenant, je vais vous expliquer le principe du Zentangle, les choses essentielles à connaître. Regardez. Je vais dessiner tantôt en blanc, tantôt en noir.
Voilà, je vais vous expliquer la base. Chaque jour, je me tape le Posca qui ne marche pas. Alors, le principe du zen tangle. Je vais prendre une petite plume là comme exemple. Celle-là, par exemple. Ok. Tout le monde voit? Moi, je ne vois pas bien, mais c'est pas grave. Je vais essayer de dessiner celle-là. Alors, on va faire au crayon d'abord sa plume, d'accord? Et ensuite, on va avec un marqueur simplement. Donc là, je vais dessiner. Ok, je vais voir un petit peu ce que ça donne. Alors, quand on fait une plume, il y a deux choses à savoir. C'est que en haut, le pointu du haut ne doit pas être le même pointu du bas. Ça veut dire que en bas, c'est beaucoup plus effilé, en haut moins, ou le contraire. Ça marche. Sinon, ça fera feuille et ça ne fera pas plume. Ok. Ensuite, on peut se dessiner une forme extérieure globale. Ça peut nous aider. Et ensuite, on vérifie que le haut et le bas ne soient pas pareils. Dans l'idéal, nous n'avons pas la même largeur de ce côté que de ce côté. Et nous, on vit dans un environnement qui est tellement urbain, tellement bétonné où tout est droit, tout est aligné, qu'on a l'habitude, c'est en nous de faire des choses symétriques. Donc même, vous voyez, spontanément, ma courbe du bas est la même que le haut et là, c'est la même que le haut. Donc je vais faire exprès une asymétrie. Et sans faire exprès, j'ai fait la même largeur. Donc on fait exprès de faire asymétrique. D'accord ? Donc ici, moins que de l'autre côté. D'accord ? Et le pointu de là doit être différent. Ok ? Donc peut-être un petit peu plus pointu. Ok ? Donc on peut se dessiner la forme extérieure avec des pointillés au crayon, ça peut nous aider. Ensuite, il n'y a plus qu'à séparer et ouvrir entre. Vous voyez ? Ouvrir, c'est ça qui va faire la différence avec une feuille. On ouvre, vous voyez ici ces petits espaces là. Évidemment, le trait de crayon que j'ai fait à l'extérieur, je le gomme tout à l'heure. Ok ? Voilà. Ensuite, alors ici pareil. Hop. Ça m'aide comme tuteur pour donner une belle forme. Voilà. Et surtout, des ouvertures. Ensuite, à l'intérieur, on s'amuse à faire un mouvement qui nous aidera à placer... nos dessins, d'accord ? On peut se faire différentes zones et ça nous aidera ensuite. Ça marche ? On a compris ? Le pointu du haut et le pointu du bas ne sont pas les mêmes. Dans un sens comme dans l'autre, quoi que vous fassiez, ça ne doit pas être le même chapeau. Il y a un angle plus ouvert que l'autre, au choix. Ensuite, la droite ou la gauche n'ont pas la même largeur. Ça va ? On a retenu ? Ça, c'est vraiment le truc de base. Et pour que ça ne fasse pas feuille d'arbre, mais plume, nous avons ces ouvertures ici. Ok ? Ça, c'est le truc de départ. Ensuite, quand vous avez fait votre trait en marqueur noir, partout, vous vous retrouvez donc avec un cloisonnement qui est le même partout. Sauf que le zentangle, c'est fait avec des pleins et des déliés. Donc, vous allez, une fois qu'on a passé partout, avec votre feutre, épaissir à certains endroits. Alors, par exemple, ici, cette ligne, je vais l'épaissir comme si c'était un pinceau et que j'avais appuyé plus fort, moins fort. D'accord ? Regardez, je me mets un peu dessus. Je sors. Je reviens et entre. J'épaissis. Comme si je l'avais fait au pinceau, vous voyez ? Et ça, partout. Pour que la structure soit plus grosse, mais avec des pleins et des liés.
que les graphismes à l'intérieur. Sinon, c'est indigeste, on ne voit plus rien, on ne comprend plus rien. Ok, les amis? Donc, on épaissit. Au début, c'est pas épais, puis pas épais. Pour chaque ligne, c'est comme ça. Quand tu es dans une courbe, c'est comme quand tu es dans un toboggan et que tu te sens un peu tomber, comme dans les manèges à Europa Park. Donc, dès que tu es dans une courbe, tu vas appuyer plus fort, ça veut dire que tu vas épaissir. Comme si avec ton pinceau, tu appuyais plus fort. Dès que tu es dans une courbe, verticale, horizontale, de côté, tu appuies plus fort. Là, je suis de nouveau dans une courbe. Vers l'intérieur ou vers l'extérieur, ça n'a pas d'importance. J'appuie plus fort. Et rebelote. J'appuie plus fort. Et là, j'ai l'impression, vous voyez, c'est comme si je l'avais fait au pinceau. Et au bout, on termine super fin en n'appuyant pas fort avec le pinceau. Plus vous avez de décalage, je vais même l'accentuer, regardez. Entre le début de la ligne qui est fin et la fin de la ligne qui est fine, mieux c'est. Comme si c'était fait au pinceau. Ça s'appelle un plein et un délié. Donc ici, en appuyant juste avec la pointe du pinceau, on arrive à avoir des choses fines, d'accord? Donc toute la structure, vous allez là où ça vous amuse, appuyer un peu plus, ok? Me revoilà. Est-ce que c'est compris? C'est bon? On a compris que la ligne ne doit pas être égale. Donc je vais revenir à ma plume de départ. Un cadrage le mieux possible. Et au départ, il vaut mieux un marqueur neuf hein, pour faire ça. Au départ, j'appuie de la même manière partout. Alors moi, j'ai un papier dessin, ça veut dire qu'il boit. C'est seulement dans un second temps que j'appuierai à certains endroits un peu plus. Si je penche mon marqueur, j'arrive aussi à avoir un trait plus fin que s'il est gros et très appuyé. Donc finalement, avec un marqueur, comme avec un pinceau, on arrive à avoir des choses qui soient modulables. J'ai fait déjà un côté. Ok, super. Et l'autre côté. Quand vous êtes sur une feuille papier photocopie, ça marche mieux parce que ça glisse. Moi, je suis sur un papier à dessin. C'est vrai que ça boit avec le marqueur, donc il vaut mieux que ce soit un marqueur neuf. Alors, on va parler de la respiration. Quand on fait un trait, on se tient droit. On essaye de ne pas respirer pendant qu'on fait le trait. Sinon, pendant qu'on respire, le trait va trembloter. Ensuite, on essaye de prendre confiance et de lancer son trait, quitte à repasser dessus, mais sur au moins 10 cm. Si tu fais plein de petits à-coups et de petits traits, ton trait, il a l'air d'être en poil. Vous voyez, il est comme effiloché ou il tremblote. C'est pas joli du tout. Parce qu'une ligne, c'est un petit peu comme un mouvement de danse. C'est-à-dire, regardez, si, imaginons, avec ma main, je fais ce mouvement-là. Vous voyez, c'est gracieux. Si maintenant je fais ça,
Ça fait plutôt Parkinson, c'est un peu moins gracieux. C'est pareil pour ta ligne, si tu fais comme ça, et là c'est vachement moins gracieux. Donc faites attention de lancer votre ligne, de ne pas respirer, de ne pas penser, parce qu'une ligne c'est l'électrocardiogramme de votre mental. Si tu penses, si tu fais oh là là, ou ah, j'arrive pas, ou ah, c'est dur, il y aura des petites bosselettes. D'accord? Si tu écoutes quelqu'un, il y aura une petite bosselette. Dès qu'il y a une perturbation mentale, il y a une petite bosse dans ta ligne. Donc pour que ta ligne elle soit lancée et qu'elle soit jolie, il faut vraiment te concentrer et c'est chouette parce que du coup c'est vraiment la pleine conscience. C'est comme la méditation de pleine conscience. Tu es complètement présent à ce que tu fais, concentré et absorbé par ta ligne et ça fait tellement de bien aux petits chevaux du mental. Ok? Donc, ne parle pas, ne respire pas, rétention à vide, pas d'air dans les poumons, on respire avant et après sa ligne, mais pas pendant. Ne parle pas, on ne respire pas et on n'écoute pas quelqu'un. Donc, si vous voulez un moment de calme avec les enfants, vous leur faites faire une dizaine d'angles. Je vous assure qu'il n'y a pas un qui pipe à moi. Eric, salut! Claudine, Mélanie, bonjour tout le monde, bonjour Janine. Donc, pour les enfants, c'est super. Et la plume, eh ben, c'est pour un autre côté. Pour l'insoutenable légèreté de l'être. Voilà. Ça va jusque-là? Cela dit, les enfants peuvent faire ça avec une feuille aussi, hein. Et puis, on verra un autre jour qu'on peut le faire avec toutes sortes de choses. Des cœurs, des chats, des lions. Mais aujourd'hui, j'avais vraiment envie de focaliser sur la plume. Et puis, en plus, j'ai mis un t-shirt exprès pour le sujet. Donc ça, c'est l'étape 1, les amis. On fait le contour et ça fait très cloisonné. C'est chouette, mais vraiment pas encore à la hauteur de ce que j'attends de vous. Maintenant, il va falloir épaissir, faire du plein et du délié, un petit peu comme si on le faisait au pinceau. Donc vous vous souvenez ce qu'on a vu tout à l'heure. On commence un peu sur la ligne. On va remontrer. Ok. Je commence sur la ligne en haut. J'exagère, hein. Je sors et je reviens sur la ligne. Et après, je colorie. J'ai fait exprès très très gros pour qu'on comprenne le principe. Mais en fait, c'est moins écarté que ça la sortie de route. Mais c'est pour faire un plein et un délié. Et au bout, c'est super. Affiner. C'est ça qu'on veut, plein et délié. D'accord? C'est ok? Alors, donc là, je vais faire des pleins et déliés. Ça veut dire que par endroit, je fais des sorties de route. Et je vais appuyer un peu plus fort ma ligne. Par exemple, au milieu de mes courbes, je sors de route, j'appuie plus fort. Alors, le temps qu'il faut pour faire ça est un temps qui est plus long que ma vidéo. Donc, je ne vais pas m'appliquer autant que vous. Mais parce qu'on ne va pas passer non plus 3 heures ensemble. J'essaye de vous montrer le principe. Mais vous allez vous appliquer. Et puis, moi, je parle. Hein, parce que si je fais mon dessin sans rien dire, vous allez ennuyer. Hein, donc, hop. Des petites sorties de route. Plus le trait, plus la structure est grosse, plus ça fait tatouage. Donc si jamais le début du trait, tu l'as aussi épaissi, tu es obligé de surenchérir pour épaissir le milieu du trait encore plus. Alors tu vas faire, ouh là là, mais ça va être beaucoup trop épais. Et en fait, non, ça fait tatouage. Les tatoueurs font exactement ça avec leur aiguille.
Ok, donc on s'inquiète pas du tout. Si la structure est super grosse, on fera fin les graphismes. D'accord? Voilà. Donc j'épaissis ma structure. Au milieu de chaque bout de ligne, je fais une sortie de route. Je détends mon ventre, je me tiens droite. On ne dessine pas comme ça, replié sur soi. C'est important si on veut une ligne qui soit jolie, d'avoir le ventre détendu, la respiration détendue. Et de ne pas se dire, oulala. Là là. Presque fini la structure. Et au milieu aussi. Un peu plus fort. T'as pas de papier? Prends un carnet, prends ta planche à bois où tu découpes le pain. On trouve des idées, hein? On trouve du carton de récup, vive le recyclage. Ok? Voilà. Ça a l'air d'être un peu plus fait au pinceau. Vous voyez, il y a des pleins et il y a des déliés. Salut Céline. Salut Hélène. Ça marche? Ok. Maintenant qu'on a fait la structure, alors je vais juste essayer de récupérer mon modèle. Comme ça, je ne sais plus lequel je fais en fait. C'est possible que ce soit ça. C'est à peu près ça, mais réinventé. Je crois que c'est celui-là dont je m'inspire. Mais à ma façon. À peu près. Donc, quand on n'a pas d'idée, on copie le modèle. Et au bout de 2 minutes, on a des idées tout seul qui arrivent. Et alors, on lâche le modèle et on part tout seul. Puis quand on ne sait plus quoi faire, sur Pinterest, on tape de nouveaux Zentangles et hop, on a de nouveau des idées de graphisme. Et moi, je vous en mettrai aussi. Donc, l'idée, c'est, les amis, de remplir avec tantôt des petits graphismes. Par exemple, voyez-vous là. Clac, clac, clac. Par exemple, une trame très serrée. Très, très serrée où il reste peu de blanc en pourcentage. D'accord? Il y a même des endroits qui peuvent être coloriés complètement en noir. Et ensuite, avec mon feutre Posca ou mon feutre Molotov argenté chrome, je viendrai faire des graphismes. Et donc, ce sera en inversé. Voyez, en positif, en négatif. Donc, je peux tout à fait mettre du noir là, comme ça, par-ci, par-là. Et je peux aussi laisser du blanc. Parce que les respirations, le vide, ça fait du bien sur un thème comme ça qui est tellement chargé. Grâce à mes tailles de 3 marqueurs, je vais pouvoir faire toutes sortes de graphismes. Mais avec un seul marqueur, on arrive déjà à faire des choses très, très chouettes. Donc là, bah, on se détend et puis bah, on vient faire des tuiles, des ronds, des ponts, des... Vous voyez? Donc moi, je ne vais pas passer 2 heures avec vous à faire des ronds, des traits, des choses comme ça. Donc vous savez ce que je vais faire pour vous montrer le principe, c'est que je vais faire très vite. Encore reculer un peu pour que vous voyez bien. Voilà. C'est pas évident, hein, le format, il est long aujourd'hui. Ça va? Donc regardez. Je vais, on voit, on voit, on voit. On voit. Ok.
Donc là, je vais remplir juste épaissir le début de mes lignes pour aller vite, hein, d'accord? J'invente des trucs, j'épaissis mes lignes. Là, je fais avec le gros marqueur. De temps en temps, on fait des motifs comme des motifs africains. Et de temps en temps, on fait des motifs type petit tissu à petites fleurs. Vous voyez, tout petit, petit. Donc, on change. Et on peut colorier aussi. Vous arrivez à voir des endroits en noir de nos motifs. D'accord? Ok, des points. Alors moi, ce que j'aime bien faire sur la plume, c'est des petits points, des petits ronds qui sont collés entre la plume, agglomérés et qui, comme un cachet d'aspirine effervescent, qui s'ouvre comme ça. Regardez. Je fais des petits ronds tout du long et ensuite je les délite. D'accord? Ça donne un peu le côté magique de la plume. J'ai pris un marqueur moyen pour que vous puissiez voir quelque chose. Ok? Donc je continue. Moi je vais faire vraiment avec le gros marqueur. Et je vais faire n'importe quoi. D'accord? Juste pour aller vite. Parce que l'idée, c'est le principe. C'est ça qui est intéressant. Et on laisse aller son imagination. Comme on a envie, clac, 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 là ici avec des points. De temps en temps, je colorie en noir. On n'oublie pas les ronds, parce que ça, c'est aussi chouette, pas que des choses anguleuses. Hop. Alors moi, j'ai pris que le gros marqueur. En fait, pour le coup, là, c'est vraiment pour aller vite, pour vous montrer le sujet rapidos. D'accord? Ce sera aussi chouette. Ce sera juste moins fin. Mais pour les petits enfants, c'est bien. Ouais, c'est bien. On essaye de poser côte à côte des graphismes qui ne laissent pas le même pourcentage de blanc. Donc tantôt des trames serrées, tantôt des trames très, très ouvertes. D'accord? Donc là. Mais pas mal de noir. Je me dépêche pour pouvoir vous montrer l'étape de l'encre. Et donc n'hésitez pas à varier la taille des feutres et la taille des graphismes. D'accord? Ok, ensuite, je peux prendre. Alors, si je le trouve, je l'ai préparé. Un feutre argenté qui s'appelle Molotov Chrome. Si tu as des feutres de Noël, qui, tu sais, pour les cadeaux, eh ben, tu peux utiliser. C'est aussi très sympa. Ça donne ça pour l'instant. J'ai fait super vite fait et je vous assure, si vous vous appliquez, c'est top. Je rappelle que la plume qui est derrière, c'est ma fille quand elle avait 10 ans qui l'a fait. Hop, hop. Je vous promets qu'un jour, j'aurai un assistant qui me fera la caméra. Donc là, je vais faire des rayures sur le noir, des points. Ça permet de faire positif, négatif. Et les endroits où je n'ai pas colorié, je peux les laisser blancs et je peux aussi les colorier en argenté. En fait, c'est ça qui est chouette.
tu peux aussi faire ça. Et si tu ne le fais pas, ben c'est aussi chouette. Clac, clac. Là, je mets des points. La tige centrale, je vais la faire en argenté, ça va être chouette comme tout. Voilà. Alors, voilà. Je rappelle que j'ai un S, un F, un M. Il y a un gros feutre et que tu peux trouver ça au rayon supermarché bricolage. D'accord. Voilà. Alors, vous avez vu ce que je fais? Je colle des petits ronds, des cercles en paquet. Et je vais les faire de plus en plus petits. Je les colle dans un coin. Et ensuite, ils s'ouvrent et ils se délitent. Ils s'écartent. Ça donne de la magie, en fait, à la plume. Moi, j'aime ça, la magie. Voilà. Presque bon. Presque bon. C'est un zentang rapido pour moi. Mais prenez le temps. C'est tellement relaxant. On en est là. Donc, j'ai fait une plume, j'ai rempli avec plein de graphiques, j'ai fait super vite pour pas que vous passiez 4 heures à me regarder, à faire des petits traits. Mais prenez le temps à la maison de faire beaucoup plus de graphismes différents. Maintenant, vous allez prendre de l'encre, de l'eau et un pinceau. D'accord? Hop là. Si tu n'as pas d'encre, tu prends une cartouche d'encre que tu coupes au ciseau et ça ira aussi. Ok. Voilà. L'idée, c'est de faire ça, c'est faire juste des petites taches d'encre par-ci, par-là. T'as pas de palette? Prends un couvercle de gâteau d'apéritif, récupère un plastique des emballages industriels et ça te fait une palette. Je vais mettre un peu de bleu cyan et un peu de rose, magenta, ce sont des encres à l'eau transparentes. Ok. Voilà. Et j'ai oublié quoi? De l'eau j'en ai. J'ai oublié mon petit spray. En fait, vous, si vous avez un spray à vitre vide, vous pouvez mettre un peu d'eau à l'intérieur. Sinon, avec une petite brosse à dents et de l'eau, vous pourrez aussi spritcher. Ça fera aussi cet effet que je vais vous montrer. Donc, moi, je cherche juste mon spray. Un instant. Et revoilà. On y va. Alors, au début, avec mon pinceau, je vais remplir uniquement certains endroits. Par exemple, juste un morceau, vous voyez? Juste un morceau. D'accord? Et puis peut-être un deuxième morceau, loin du premier. Voilà, comme ça tu vois.
C'est pas facile, je vous avoue que les vidéos, j'apprends à les faire en même temps que vous parce que j'ai plus l'habitude de donner des cours en direct que de filmer. Mais en cette période de confinement, je pense à vous et je me suis dit que ce serait sympa d'avoir des petites astuces à la maison. Donc quand je peins, je vois pas si vous voyez ou pas. Ok. Alors. Bonjour tout le monde. Bonjour Armel. Salut Janine. Leslie, salut. Donc, je remplis juste certains endroits, vous voyez. Des fois des grandes zones et des fois des petites zones. Je vous montre rapidement parce que ça va couler. D'accord? Hop, c'est bon. Une fois que j'ai fait ça, je vais remplir. Je rince un peu mon pinceau. J'enlève l'eau à l'intérieur. Il est quand même sale. Et là, je vais prendre une autre zone. Où je vais mettre beaucoup plus d'eau. Alors, est-ce qu'on voit? Non. Vous voyez, là, c'est un pinceau sale avec de l'eau. Et ensuite, je le rince encore mieux, encore mieux, encore mieux, encore mieux. Et je termine juste avec de l'eau pour faire un dégradé. Et au bord, ici, je vais rajouter de l'encre. Donc, les autres zones, les premières, je les ai coloriées unies. Et celle-là, je lui fais un dégradé avec de l'eau propre au bout et du bleu plus foncé. D'accord? Et je fais la même chose de l'autre côté. C'est-à-dire, je choisis un endroit où c'est bleu foncé au départ. Je rince bien, bien, bien mon pinceau. Et avec de l'eau propre, je vais continuer. L'idée, c'est d'avoir un dégradé. Donc, séchez bien le pinceau et reprenez de l'eau propre hein, pour qu'au bout, ce soit plus clair. Et au démarrage, un peu plus d'encre. Donc, j'ai fait trois unis et trois dégradés. Ça va? C'est bon pour vous? Ok? Maintenant, je change de couleur. Si on a envie, on n'est pas obligé. Et je le fais avec du rose. Alors, pour le rose, pareil, uni. Allez, uni de ce côté. Uni de ce côté. Et je refais le même principe. Je trouve un où je vais mettre un. Beaucoup d'eau. Vous avez vu que je peux commencer par le clair ou par le foncé, c'est égal une fois qu'on a compris le principe. L'œuf ou la poule, c'est à vous de voir. Je rince mon pinceau. Est-ce que vous voyez ce que je fais? Non, vous voyez pas. Vous voyez? Pour dégrader, je couche mon pinceau. Ça, c'est une petite astuce. Voilà. Maintenant, je vais prendre un morceau qui est vide. Vous voyez celui-là? Il est blanc. Et au lieu de travailler l'intérieur, je vais travailler l'extérieur. Donc ici, je vais prendre du bleu et le poser à l'extérieur pour faire ressortir le blanc. Je fais le contraire, je peins le fond. D'accord? Je couche mon pinceau pour faire flou. D'accord? Là, là, là. Comme là, c'est déjà bleu, je continue avec juste beaucoup d'eau et j'essaye de ne pas peindre jusqu'au bord. Je peux continuer aussi avec le rose de l'autre côté. Je peins. On voit quelque chose? Je suis où? J'ai un problème cognitif. Et hop, ouais, je suis là. Donc là, c'était blanc, donc je mets du rose autour. Et je termine à l'eau. D'ailleurs, si j'ai envie que ce soit violet, hein, maintenant que j'ai fait ça, je peux se faire rencontrer les couleurs. Ça veut dire que si j'ai envie qu'il y ait un peu de rose dans mon bleu, hop, ça fait bleu marine. Parce que si on en met un peu, ça fait bleu marine. Si j'ai envie que ça fasse violet, il faut mettre plus de rose. Ok? Là. Le pinceau, il est couché pour arriver à faire flou. Et l'astuce, c'est rincer souvent votre pinceau. Hein. Sinon, vous n'arriverez pas à avoir des transparences. Hein. D'accord? Et là, de ce côté, c'est apparemment un peu plus bleu. C'est le hasard qui a voulu. Alors, j'accueille. Et je vais même faire un peu violet. Et ça peut même, de temps en temps, rentrer un peu dedans, un peu dehors. Là, je suis en train de peindre parce que mon pinceau est sale. Donc, je le rince souvent. D'accord? Et c'est pour ça que je cherchais mon petit spray. Parce que ça peut être sympa aussi de spritcher un peu à l'extérieur. Est-ce qu'on
On arrivait à voir quelque chose. Non, je remonte. Je me mets là. Et je spritch, vous voyez, de très près à l'extérieur. C'est assez sympa. Moi, j'aime bien. Apparemment, ce côté un peu plus rose. Comme ça. C'est important de faire ce procédé parce que sinon, tout se ressemble. Donc, il y a des fois, c'est colorié uni. Il y a des fois, c'est pas colorié du tout. Il y a des fois, c'est colorié dégradé. Et il y a des fois, le fond et la forme sont très distincts. Genre, ça, c'est blanc et autour, c'est rose. Et il y a des fois, c'est tout fondu. En fait, quand tu as tout ça, c'est ça qui fait que ça match. Hein, d'accord ? Sinon, tout se ressemble et très vite, tu as un truc uniplat où tout ce qui est dedans rentre dehors. Il n'y a pas de différence entre tout ça. D'accord ? C'est pour ça qu'on respecte ce petit tuto. Et donc ça, tu peux le faire avec une cartouche d'encre. Hein. Et ben voilà. Je peux pas... Si je penche, ça coule. Alors, je vais faire comme ça, regardez. Voilà. Hé, coucou le Québec. Salut Lucky. Ok ? Voilà. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous au début, vous remontrez ça. Donc ça, c'est un tableau que ma fille a fait. Donc feutre noir indélébile et encre. Elle avait 10 ans. Voilà un autre tableau que ma fille a fait. Elle adore faire du graphisme. Comme elle est très active, ça la canalise et ça la calme. Je vais vous poster des modèles pour que vous ayez des idées de plumes. Aujourd'hui, le thème, c'est l'insoutenable légèreté de l'être. J'espère que ça vous a plu et que vous allez me montrer ce que vous avez fait. Et j'ai hâte de voir. Relaxez-vous pendant le Zemtangle. Faites plein de graphismes, mais surtout, bien épaissir la structure. Les graphismes à l'intérieur, pas toujours la même trame. Des fois, très très noir. Des fois, on laisse beaucoup de blanc. Donc, des fois, graphisme un peu comme un tissu africain. Et des fois, un graphisme comme les petites fleurs d'un tissu fleuri. Très, très resserré. D'accord ? Salut Jeanne ! En tout cas, merci d'avoir suivi tout ça. Je suis contente de partager ce temps avec vous, même si vous êtes tous confinés à la maison, j'ai une pensée pour vous et je vous envoie plein de belles énergies et partagez avec moi sur l'atelier de Noé ce que vous faites. À bientôt et à demain pour ceux qui veulent continuer l'aventure d'un petit sujet à la maison. Bisous à tous.